Bienvenue à Haï, au Champagne Roger Brun. Nous sommes une famille historique du village. On peut remonter jusqu'à la Révolution française pour retrouver nos ancêtres sur le village. Nous sommes une famille de tonneliers historiquement qui faisaient du vin blanc, vin rouge, qui ont appris à faire du champagne chez Mouette et Chandon au 19e siècle et qui ont commencé à faire la première bouteille de champagne à notre nom en 1921. Mes arrière-grands-parents, arrière-arrière-grands-parents se sont fait payer en vigne. C'est pour ça que nous avons quelques belles parcelles dans les plus beaux endroits d'Haï, sinon nous ne les aurons pas. C'est donc des échanges de vignobles faits dans les années 20, à l'époque, au moment des remembrements. Sinon, nous sommes plutôt spécialisés pour faire du champagne de gastronomie. Haï se suffit à lui-même, comme on dit souvent, donc j'aime bien faire du pur Haï, pur pinot noir dans cette parcelle Lapel, ce monoparcellaire. Ça fait 20 ans que nous le faisons déjà, donc on peut faire des belles verticales. Ce sont des vins charnus, mais à boire sur des repas. Haï est souvent underrated, comme disent les Anglais, sous-coté, parce que ce ne sont pas des vins d'apéritif, comme je vous disais, de discothèque tout à l'heure. Mais quand vous buvez les vins d'Haï sur un repas, ça change complètement la donne. C'est du vin, nous faisons du vin, faut pas oublier ça. C'est, alors ici, je fais des blancs de noir, c'est notre spécialité, mais aussi des rosés de saignée, pas plus de 20 ou 30% de chardonnay dans nos vins. C'est de la réserve d'acide, ça, c'est pas pour moi. Donc c'est des vins, vous voyez le personnage comme on dit, hein. Voilà, donc ça va être des vins assez costauds on va dire, pas tellement féminins, mais voilà, je me considère pour faire le vin plutôt comme un chef, comme un cuistot. Je vais pas les faire systématiquement, donc en gros pour moi les vendanges c'est le marché de la semaine, et en fonction de ce qu'il y a de beau au marché, j'écris mon menu. Mais je ne vais pas sur le marché acheter ce que j'ai déjà écrit pour le menu. Donc certaines années, je ne fais pas, j'attends 3, 4, 5, 6 ans avant de refaire certains vins, parce qu'il faut que ça soit bien, je suis petit, nous ne sommes pas une marque internationale, je n'ai pas le droit d'avoir une qualité variable. Je ne peux pas me permettre ça, il faut une constance de la qualité, ça c'est notre leitmotiv. On vinifie en fût de chêne en même temps, pas tout. Je ne veux pas faire du jus de planche non plus. C'est maintenant, j'ai peur que le bois devienne le quatrième cépage de la Champagne. Hein, pinot noir, pinot meunier, chardonnay et le bois. Non, donc nous travaillons avec des vieux fûts. Le vin qui a vieilli en cuve inox au début, c'est le vin hyper protégé contre l'oxygène, contre tout. Ça, c'est le vin qui est resté 5 ans avec sa mère. Mais le problème, c'est que la première fois qu'il va à l'école, il attrape toutes les maladies possibles. Il a toujours le nez qui coule, il est malade tout le temps. Le vin qui est en fût de chêne, celui-là il est en contact avec les bactéries, avec l'oxygène plus fréquemment. Ça c'est l'enfant qui joue dehors, qui rentre sale, qui ramasse le bout de pain ou le gâteau qu'il a fait tomber par terre, qui remet à la bouche. Vous savez, tous les parents les super protègent. Ces enfants-là vont... Soit ils meurent tout de suite, parce qu'ils ont des maladies, ou alors ils ont une très grande... ils ont un système immunitaire et ils vont vieillir très longtemps. Je considère un peu le vin comme ça, c'est pour ça que je fais de la vinification en fût, en vieux fût. Et en même temps, il y a la micro-oxydation qui va augmenter les arômes. Je considère le fût comme un atout et non pas comme un aromate.